Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième journée, bienvenue dans cette troisième journée de la première semaine digitale du cheval. Vous pouvez aussi également aller bien sûr sur le salon du cheval, premier salon du cheval en 3D avec plus de 180 exposants. Fort démarrage d'ailleurs pour ce premier salon du cheval de l'histoire. N'hésitez pas, on a fait déjà beaucoup, beaucoup de tables rondes depuis samedi matin. Ce sera comme ça jusqu'à dimanche inclus. Mais on s'est pour l'instant beaucoup intéressé au bien-être du cheval, notre animal évidemment préféré dans cette semaine digitale. Mais on va aujourd'hui s'intéresser aussi aux femmes et aux hommes qui travaillent autour pour le cheval et souvent pour notre passion. On va voir si eux aussi ont une qualité de vie suffisante et si le bien-être peut être ce mot associé justement au travail à l'intérieur des écuries en général de course ou de sport. Je vous présente nos invités. Une invitée à côté de moi, les autres sont en virtuel, la COVID oblige. J'accueille donc Christelle Wagner. Bonjour Christelle. Bonjour Samuel. Merci d'être avec nous Christelle. Vous travaillez pour l'IFCE. Tout à fait. Ce qui nous intéresse, c'est votre double culture, j'allais dire, parce que vous avez débuté dans le travail en général, dans d'autres secteurs que le secteur du cheval, et vous êtes maintenant avec justement cette filière cheval. Est-ce que vous pourrez nous faire justement une comparaison, voir si le cheval est en retard par rapport à d'autres filières économiques? Tout à fait. En Bon. fait, je viens du cheval, j'étais partie et je suis revenue. Bon, donc vous êtes un vrai témoin de la globalité des conditions de travail en général, Tout à fait. tout milieu confondu. J'accueille maintenant Vanina Deneux. Bonjour Vanina. Bonjour Kamel. Bonjour. Bienvenue aussi dans cette table ronde améliorer le bien-être des hommes. Vous êtes, vous, ingénieur de recherche en sociologie, toujours pour l'IFCE. Vous terminez une thèse sur les relations entre professionnels et chevaux. On ira même avec vous jusqu'à prononcer le mot de souffrance, souffrance au travail. On verra si le mot est excessif ou pas. En tout cas, bienvenue, Vanina Deneux. Justine, de la fédération, justement, qui nous accueille et qui organise cette semaine digitale, Fédération des conseils des chevaux. Justine, bonjour. Vous êtes Bonjour. le témoin, j'allais dire, avec nos internautes. Les internautes peuvent poser des questions sur les réseaux sociaux et vous pourrez intervenir, Justine, c'est ça, quand vous voulez. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions via le YouTube Live ou le Facebook Live et j'essaierai de les poser à nos intervenantes du jour. Bienvenue également à notre dernière invitée, Sophie Boyer. Bonjour Sophie, merci d'être là. Vous êtes coordinatrice en charge du réseau équin de l'Institut de l'élevage. Vous avez des résultats d'enquête chez les exploitants, un bilan de travail dans les centres d'équette et vous allez proposer également des outils. Vous avez donc une vraie analyse de cette condition de travail de l'homme et de la femme dans cette filière équine. Est-ce qu'elle est positive? Cette condition de vie des hommes et des femmes au travail. Bonjour Kamel, bonjour à tous. Merci de me laisser commencer à présenter ces résultats effectivement qui viennent du réseau équin. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, ce réseau il a été créé en 2007 et c'est un dispositif qui est partenarial entre les conseils des chevaux, les chambres d'agriculture, l'IFCE et l'Institut de l'élevage et il est soutenu par le fonds Éperon. En fait, ce dispositif a été créé justement pour améliorer la connaissance économique de la filière et donner des outils pour accompagner justement les professionnels dans leur métier. Et nous, si notre cœur de métier, c'est plus les aspects technico-économiques, on s'est très vite rendu compte que la dimension travail était importante à prendre en compte pour la durabilité des exploitations. Donc effectivement, on a fait deux projets dans le cadre de ce réseau. Et en fait, on a des éléments de ressenti au travail et des éléments plus quantitatifs grâce à des diagnostics plus complets. Donc sur les éléments de ressenti au travail, si je vous donne les principaux éléments, trois quarts des exploitants sur 144 interrogés nous ont dit ressentir une forte charge de travail, avoir peu de marge de manœuvre en temps, avoir du stress pour 36% ressenti, un fort stress ressenti au travail, alors lié au travail administratif, lié aux soucis financiers. Et lié également à la pression quotidienne de gérer un nombre de clients important. Aussi de la pénibilité physique. 39% ont évoqué avoir une pénibilité assez importante, donc liée au port de charges lourdes, liée au travail des chevaux et à toute la gestion en fait des approvisionnements en foin, en fourrage, en concentré, etc. Et en fait, ces éléments nous laissent penser que la qualité de vie au travail n'est pas toujours satisfaisante parce qu'en fait, ils ont peu de temps libre. Il y en a 60% qui disent, bien nous, on a peu de temps libre en fait en dehors de notre travail.
Ils sont une majorité à avoir moins d'une semaine de congé par an. Et en fait, peu d'entre eux ont une activité extra-professionnelle en dehors de leur activité quotidienne. C'est-à-dire, peu vont avoir des activités de loisirs. Je me rappelle aussi un exploitant qui nous disait, en fait, mon travail, c'est ma vie privée, mes clients, c'est mes amis. Et, Sophie, est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on peut comparer cela au monde de l'agriculture? Est-ce que ces chiffres peuvent être comparables à ce que ressentent les agriculteurs? Merci pour cette question. Effectivement, par rapport, l'Institut de l'élevage s'occupe de plusieurs filières herbivores et il y a eu des bilans de travail, donc c'est la seconde partie des éléments dont je dispose, qui permettent de quantifier, c'est des diagnostics plus complets du travail. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'au niveau du travail d'astreinte, en filière équine, on a un travail d'astreinte beaucoup plus important. Pour vous donner un ordre d'idée, on a fait des bilans de travail en centre équestre. On en avait 78% qui avaient plus de 1800 heures de travail d'astreinte par an. Travail d'astreinte, c'est en fait donner à manger aux chevaux, c'est donner des cours, le curage des boxes, etc. Et par rapport aux autres filières, ovin, caprin, bovin, c'est une moyenne de 1400 heures de travail d'astreinte par an. Donc déjà, on est bien au-dessus. Ah ouais. Nous, on se rapprocherait en fait d'un système caprin fromager qui fait de la vente directe, qui a une relation avec la clientèle en fait. La différence, c'est que dans le cheval, en fait, par rapport aux autres filières, c'est qu'il y a une multiplicité d'activités. Sur une exploitation, en fait, vous allez pouvoir trouver de l'élevage, mais aussi de l'enseignement, des pensions. Vous allez avoir beaucoup d'activités et du coup, beaucoup de tâches par rapport à ça. Parce que par exemple, par rapport à un éleveur paysan qui vend de la vente, qui fait de la vache pour la viande ou des poules, etc. Là, on se retrouve, non seulement il faut gérer l'animal, et il faut gérer la clientèle, comme le monsieur qui fait du fromage avec ses chèvres, quoi. Il y a deux métiers, deux en un. Vous avez tout à fait raison. En fait, les premiers éléments statistiques qu'on a regardés, on a essayé de voir si le travail d'astreinte était plutôt corrélé au travail des animaux ou à la clientèle. Et notamment dans les centres équestres, il y a vraiment une corrélation assez forte avec la présence de clients. Parce qu'en fait, il faut être présent pour donner des nouvelles, pour donner des cours, etc. Juste une question à Vanina Deneux. Vanina, en préparant cette émission, on m'a dit qu'on pouvait parfois même parler de souffrance. On entend Sophie qui dit que c'est très élevé comme contrainte de travail, les heures, etc. Est-ce qu'on peut parler de pénibilité très forte pour cette filière, pour les femmes et les hommes qui travaillent dans ce milieu? Oui, je pense tout à fait. Les travaux de Sophie, ceux de la MSA ou également ceux de Christelle dont elle va parler. Et même moi, j'ai fait 108 entretiens dans tous les secteurs de la filière équine. On a très clairement l'existence d'une pénibilité. Mais même déjà le titre de cette table ronde, améliorer le bien-être des hommes, on euphémise de fait et on minimise cette question de la souffrance au travail, puisque si on veut améliorer un bien-être, c'est qu'il existe un mal-être. Et oui, il y a plusieurs cas et plusieurs formes de souffrance au travail. Ça veut dire qu'en nommant cette table ronde, on a fait une erreur, on aurait dû dire comment diminuer le mal-être plutôt que de parler de bien-être. Il y a du tabou là-dedans? Oui, je pense qu'il y a énormément de tabous. Le tabou est principalement lié à la question de la passion et de l'injonction à la passion d'être avec les chevaux. Et ça masque un petit peu les réalités justement de cette souffrance au travail. Et un des gros tabous, ça va être l'existence de suicide. On sait qu'il y a des exploitants de centre équestre ou de la filière équine qui se suicident, sauf qu'on n'en parle pas. Il en va de même un peu chez les vétérinaires où on en parle plus pour les agriculteurs, on parle des suicides des agriculteurs. Une étude canadienne a montré qu'il y avait un fort taux de suicide chez les vétérinaires. En France, je pense que ça relève un peu de la même chose. Et il existe aussi, quand on commence un peu à en parler, on entend qu'à tel ou tel endroit, il y a une personne qui s'est suicidée, ainsi de suite. Sauf que l'injonction à la passion du cheval, réaliser le rêve de travailler avec des chevaux, amène à ce tabou-là, à parler de à taire la souffrance, à taire les cas extrêmes. À qui répond qui veut, y compris Christelle qui est à côté de moi, ou Vanina ou Sophie, à qui la,
la responsabilité. Est-ce que c'est à celui, je vais fort dans ma question, mais est-ce que c'est à celui qui subit cette charge de travail et cette dépression, entre guillemets, parce que la passion ne lui laisse pas le choix? Est-ce qu'il ne devrait pas s'émanciper de cette passion? Ou est-ce que c'est à l'employeur ou peut-être au client qui ne fait pas attention à ça? Qui est responsable de ce mal-être, de ce mal-vivre? Pour moi, c'est tout le monde. C'est, on ne peut pas renvoyer la question de la souffrance uniquement à un individu. L'individu, il est pris dans un collectif. Et c'est bien les dysfonctionnements au sein du collectif qui peut amener à la souffrance au travail. Donc, c'est l'ensemble qui doit être analysé. Mais ça veut dire que le consommateur, à l'égal d'un consommateur d'un mauvais produit, un mauvais légume pas cher qui vient du bout du monde et qui fait malheureusement pas, n'enrichit pas celui qui l'a produit, est-ce que le consommateur cheval, l'équitant, celui qui monte à cheval, celui qui se promène, etc., doit accepter de payer une certaine somme pour que celui qui travaille puisse en vivre correctement? Moi, je veux bien répondre. Allez-y, au contraire. Vanina, effectivement, là, vous rentrez dans le cœur des travaux que l'on fait. On travaille sur les coûts de production centre-équestre et effectivement, on se rend compte que il faut être payé au juste prix pour pouvoir justement pouvoir payer ses charges. Et quand on parle de stress, en fait, beaucoup nous ont dit qu'ils sont stressés par rapport à la partie financière. Il faut pouvoir non seulement avoir une viabilité de son exploitation et pouvoir en vivre correctement pour être disponible pour ses clients et puis pouvoir prendre du recul justement pour voir quelles sont les marges de manœuvre et les progrès qu'on peut avoir sur son entreprise. Parce que les causes sont multifactorielles hein, aussi de cette charge de travail. Il y a effectivement le fait d'avoir beaucoup d'activités. Il y a également le fait d'avoir, quand vous avez 200 clients dans les centres équestres qui sont là quotidiennement, c'est une charge de travail importante. Donc, il y a une vraie nécessité à bien calibrer son exploitation pour qu'elle soit en adéquation avec les moyens humains. Et ensuite, il faut aussi s'équiper parce qu'il y a des exploitants qui ont repris des installations et qui ont repris des infrastructures pas forcément mécanisables. Et justement, ça leur donne une charge de travail plus importante. Christelle Wagner, vous êtes à côté de moi. On l'a dit, vous êtes inspecteur du travail, j'allais dire. Non, ergonome. Oui, quand je dis inspecteur, c'est au sens… intervenante en prévention voilà. Des risques. D'abord, dites-nous si la filière équine est en retard, si c'est un mauvais élève du monde du travail, sur ce mal-être, parce qu'on ne va plus dire bien-être, mais sur ce mal-être. Alors, je dirais non, on n'est pas en retard. Aujourd'hui, tout le monde… les entreprises de plus en plus, le secteur médical, médico-social, tout le monde s'interroge pour avoir une vraie performance de son entreprise ou de son activité. Et on s'aperçoit en fait que lorsque les salariés vont mal, lorsqu'ils sont absents, lorsqu'ils sont cassés, ça a un coût et ça a une non-qualité. Du coup, tout le monde s'accorde à dire qu'on va faire en sorte que on cherche à optimiser la performance de l'entreprise en intégrant cette dimension santé au travail qui relève à la fois de la santé physique et mentale, morale. Si on regarde dans les souvenirs, pas si lointains, l'image du monde du cheval était que ce qu'on appelait les lades, pour ceux qui ne connaissent pas bien les métiers différents, ou les palefreniers, etc., ou même parfois les enseignants, ils devaient accepter pour faire ce métier de faire 90 heures par semaine en étant payé 39 heures ou 35. Ça faisait partie de la fonction. Il y a eu cette image négative du monde des courses, notamment. Elle était justifiée, je crois. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que ça s'est arrangé? Alors, il y a eu, bien sûr, les 35 heures. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est qu'en fait, cette charge de travail, ce qui est important, c'est de prendre en compte la perception que la personne en a, hein, le salarié ou l'employeur. C'est-à-dire que pour la même situation de travail, en fait, chacun peut avoir un ressenti complètement différent. Alors, il y a des facteurs qui jouent là-dessus. C'est par exemple la possibilité d'avoir de l'autonomie dans son travail ou au contraire de faire des tâches répétitives comme à l'usine. C'est le soutien des collègues ou de la hiérarchie ou des clients ou des chevaux. C'est toute cette latitude en fait que l'on a et cette perception du travail qui est vraiment individuelle. Et donc, certains sur une même activité peuvent trouver plein de ressources et d'autres plein de contraintes. Je vais prendre un exemple très simple. Se lever le matin pour aller nourrir les chevaux,
les soigner, leur porter du foin. Voilà, les cavaliers qui viennent en stage sont ravis de venir, de voir leurs chevaux, etc., et les nourrir. Et en même temps, celui qui fait ça 365 jours par an, quelle que soit la météo, quels que soient les soucis qu'il ait dans sa vie personnelle, il peut trouver ça un petit peu moins marrant. Et pourtant, c'est la même situation. Ouais. Et monter un cheval, c'est un loisir pour certains, c'est un travail pour un autre. La question, c'est surtout jusqu'où c'est supportable, jusqu'où je supporte, en fait, j'accepte. Et donc, dans la démarche qualité de vie au travail, en fait, on analyse un certain nombre de critères. Et on évoque avec les personnes si c'est plutôt quelque chose qui leur fait du bien, qui est agréable, ou si c'est quelque chose qui leur coûte. Donc, par exemple, le métier de maréchal ferrant, c'est dur pour le dos, c'est physique, mais en même temps, ils sont souvent leur propre chef d'entreprise et ils ont cette liberté de travailler quand ils veulent, voilà, d'éventuellement refuser un client. Donc, pour le même métier, certains, il y a des bonnes choses et des choses positives, des choses négatives. Et il faut s'accorder pour qu'il y ait quand même plus de positifs. Maintenant, dans l'analyse, l'important, c'est de se dire qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui va moins bien, et puis tout en gardant ce qui va bien, d'essayer d'enlever les petits grains de sable dans la chaussure, les petites choses qui gênent au fur et à mesure. J'ai déjà une question des téléspectateurs. Il y a beaucoup de réactions en ce moment. Un internaute demande comment faire pour que les employeurs prennent conscience de l'importance de ce bien-être des employés, justement. Mais ils ont tout intérêt en fait à en prendre conscience, mais ça c'est pas que dans la filière cheval, hein, c'est partout. Tous ceux qui ont commencé une démarche qualité de vie au travail en sortent gagnants, en sortent grandis et en sortent plus efficaces. En gros, pour 100 euros investis dans la prévention des risques professionnels, c'est un investissement de 250 euros, un retour sur investissement qui est considérable. Là, vous voulez dire qu'en fait. Pardon de vous couper, Christelle, mais pour être très, très bien comprise, vous voulez dire qu'aujourd'hui, si une entreprise vous regarde en disant « bah oui, mais moi, je voudrais bien que la condition de mes collaborateurs soit meilleure, je n'ai pas les moyens », vous pouvez lui dire, si vous faites un investissement de 100, vous allez revenir avec un bénéfice de près du double. C'est ça, puis je leur dirais, ça coûte peut-être même rien du tout, ou peut-être moins que ça, et en plus, il y a des aides pour. Et peut-être c'est juste dans l'échange et la discussion qu'on peut trouver des solutions pertinentes, et bien souvent, ça n'a pas un coût direct. Parfois oui, parfois non, mais parfois c'est juste des petites choses qu'on peut améliorer au quotidien. Un détail par exemple, qu'est-ce qui vous semble extrêmement efficace et qui ne soit pas une montagne à soulever? Alors là c'est un petit peu difficile parce que c'est vraiment à chacun et chaque structure de déterminer ensemble qu'est-ce qui gêne. La communication donc est un élément qui ne coûte essentiel. Rien, qui peut être très, voilà. Très efficace. Essentiel. Ouais. Communiquer entre salariés, communiquer entre salariés et employeurs et essayer de résoudre des petits problèmes au fur et à mesure. Trouver, voilà, qu'est-ce qui m'agace, qu'est-ce qui me gêne, si toi tu finis ta séance en retard, pourquoi moi ça me gêne et trouver des solutions ensemble. Tout à l'heure, je crois que c'est ça. Ouais. Une chose par rapport à ça, un des moyens justement pour améliorer ça, ce sont les temps et les lieux de travail. Informel, c'est-à-dire par exemple la salle de pause, par exemple, est un moyen en lui-même, alors pas forcément dans le centre équestre, mais la salle de pause en général, même dans les entreprises, c'est un temps où on continue quand même à parler du travail. Mais vu que c'est informel, c'est beaucoup plus facile d'aborder certains sujets et de les débriefer autrement que dans une sorte de hiérarchie quand on est face à face à un employeur. Dans un rendez-vous formel. Donc ça fait partie des choses qui permettent aussi de renégocier le travail autour de ce qui est prescrit, donc les tâches à faire et l'organisation, la façon dont les employés vont s'y prendre. Donc en fait, il y a une renégociation en fait de ce qui est attendu et comment ça doit être fait. Donc ces espaces informels de travail sont importants, que ce soit entre humains, mais aussi entre humains et chevaux. Je pense que c'est quelque chose dans l'organisation du travail qu'il faudrait réfléchir. Il y a une responsabilité, mesdames, aussi du consommateur, c'est-à-dire celui qui vient pratiquer son loisir. Je pense à moi, modestement, ça nous est tous arrivé d'aller dans une écurie où on voit un garçon ou une femme en train de travailler, la tête un peu par terre, en train de regarder sur le sol, fatigué, les épaules courbées. On ne s'est jamais tellement trop intéressé aussi à cette charge de travail, dont on savait bien qu'elle était trop lourde, que même soi-même on n'aurait pas supporté.
mais qu'on acceptait de voir aussi par égoïsme profond quand même. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, oui. Il y a une responsabilité forte du consommateur, j'en reviens à ça. Mais... Oui, après, c'est aussi le client qui fait vivre la structure, hein, donc il faut pas l'oublier. Mais c'est vrai que la façon d'être des personnes qui fréquentent la structure a son influence entre celui qui vient avec une boîte de chocolat pour Noël et celui qui râle parce que son cheval a... Et oui. Je sais pas, un truc, voilà, un truc de travers. Non, mais c'est ça, le respect de celui qui travaille, ça peut aussi donner un bien-être à celui qui travaille d'être un minimum considéré. Ça fait partie. Ouais, je crois. Oui. Je voudrais ajouter un point, c'est-à-dire que on a aussi le résultat d'une politique menée de consommation de l'équitation, c'est-à-dire que à partir des années 70, on a développé l'équitation. L'équitation pour tous, et on en a fait un objet de consommation. Et on a réifié l'animal, et on a, entre guillemets, réduit le cheval à de l'équitation, et on consomme de l'équitation, et non pas, on n'est pas dans une relation avec l'animal. Et c'est d'ailleurs ce qui vient aussi dans les critiques sociétales hein, qu'on voit. Mais c'est aussi ça, hein, c'est-à-dire que cette évolution sociétale de consommation, et en effet le client a une responsabilité, mais cette responsabilité s'inscrit aussi dans quelque chose de beaucoup plus sociétal, social, de remise en cause de la façon dont on consomme, et même dans le vocabulaire, c'est-à-dire qu'une des choses qui fait véritablement souffrir et qui en fait engage les humains auprès des chevaux, c'est justement l'affectivité. Ils veulent travailler avec des chevaux parce qu'ils aiment les chevaux. Et justement, ce qui va faire souffrir, ça va être de ne plus respecter le contrat tacite de travail entre humain et cheval, le don contre don dont parle Jocelyne Porcher dans ses travaux. Et c'est ça aussi qui fait souffrir. Et quand on parle d'un outil de travail pour un cheval, on sait très bien que fondamentalement, ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que quand le cheval souffre, l'humain va souffrir aussi, alors que quand un ballon est crevé, on ne se pose pas la question. Donc, c'est bien la question de l'affectivité et le fait d'avoir réifié par la consommation et quelque part nier cette affectivité qui fait aussi qu'aujourd'hui, un bon nombre de professionnels peuvent être en souffrance parce qu'il y a un décalage entre ce qu'ils vont dire, voilà, c'est mon outil de travail, etc., alors que pas du tout. Et la volonté d'être dans l'affectif et dans la passion et de passer du temps avec les chevaux. Mais tout à l'heure, je crois que c'est Sophie qui parlait de suicide dans l'agriculture ou même chez les vétérinaires. Pour connaître un peu le sujet des vétérinaires, il y a des études extrêmement difficiles. Et lorsqu'on arrive dans la vie pratique, comme pour ceux qui sont passionnés de chevaux et qui disent « je veux en faire mon métier », il y a une déception entre la genèse, l'origine de cette passion, le rêve, et ensuite la vie professionnelle au cœur de cette filière équine. C'est pas ça en fait, parce que c'est pas cette grande déception qui peut amener à une dépression. Si, c'est la confrontation au réel entre ce pourquoi on s'engage avec la figure idéale typique de l'homme de cheval ou la femme de cheval, hein, dans sa neutralité. Et la réalité du travail, la réalité du quotidien. Et c'est ça qui fondamentalement fait souffrir, c'est plus il y a un écart, alors soit on a des solutions de déni, de réenchantement du réel pour pouvoir tenir, et soit on ne tient plus cet écart et on en souffre. Je reviens avec vous, Christelle Wagner, à la différence que prend le consommateur à venir faire son loisir et à celui qui travaille. Vous avez travaillé dans plein de secteurs, notamment dans la grande distribution. Dans la grande distribution, on va dans le rayon des bonbons, on va se faire plaisir. Et à côté de nous, on a une personne qui s'est levée 4 heures du matin pour parfois un salaire qui soit au minimum et pourtant avec une tâche rude. Ça peut être similaire, cette notion de vivre les uns à côté des autres sans prendre conscience de ce que subit l'autre. Oui, et ça peut être similaire et on retrouve la même chose. C'est-à-dire que la personne qui s'est levée à 4 heures du matin, elle peut vivre son travail en se disant quelle horreur, je ne peux pas dormir, je ne peux pas être avec mes enfants. Elle subit. C'est dur, etc. Ou au contraire, le vivre en se disant j'aime ce travail, je nourris les hommes. Certes, je me lève tôt, mais je vais voir ma famille en fin de journée. Donc, on a tout hein, dans le ressenti. Des choses très, très variables. Ça veut dire que la personne qui se sent pas très à l'aise, pas très bien dans son travail,
peut elle-même changer cette façon d'aborder le travail et ça peut changer les choses. L'important, c'est que les gens comprennent le sens de leur travail. C'est que ce travail, il fasse sens pour eux. Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi je vais au travail? Si c'est pour faire des choses inutiles et incompréhensibles, tout le monde le vit très mal. Si par contre, on se dit, je vais au travail pour nourrir mes animaux, pour les sortir, pour les voir évoluer, pour voir mes cavaliers progresser, pour voir mes chevaux à l'entraînement, en course, gagner des courses, à ce moment-là, ça prend du sens et du coup, la charge de travail est beaucoup plus supportable. En concret, vous avez donc visité beaucoup d'endroits où il y a des chevaux, des clubs ou des écuries de course. Qu'est-ce qui vous frappe le plus? Quelle est l'une des grandes faiblesses pour que les hommes se sentent bien dans leur travail? Qu'est-ce qui vous frappe le plus par rapport au reste du monde du travail? Là, par exemple, je vais parler d'une étude qu'on a menée dans les écuries de course là, en Hauts-de-France, où on a interrogé les entraîneurs de course sur leur représentation du travail. Et dans ce qui leur pèse, bien sûr, au quotidien, il y a la gestion administrative, on s'en doutait, hein. Il y a tout ce qui est gestion quotidienne de l'écurie, et par exemple, abreuver, nourrir, on a réussi à mettre des petites choses en face, très simples, hein, mais entre abreuver, en portant des seaux d'eau en fer, comme le font les jeunes apprentis à 16 ans, avec toute la difficulté que c'est pour eux en plein hiver. Et voilà, et on peut proposer des choses toutes simples comme mettre un tuyau d'eau en rouleur, mettre une poche d'eau sur une brouette et s'aménager la vie. Alors, ce qui me frappe par rapport à, je dirais, au reste du monde, c'est que on rencontre, alors dans les courses, mais aussi dans d'autres structures, peut-être un retard sur la façon d'évoluer et d'envisager les choses. C'est-à-dire, il faut prendre en compte, voilà, qu'on a des outils modernes. Alors, on a Internet, mais il y a aussi des outils mécaniques pour le curage, pour nourrir. Et puis, il y a aussi des jeunes, hein, des personnes qui n'ont plus les mêmes attentes qu'autrefois. Et donc, tout ça, ça fait partie d'un management du travail qu'il faut réinterroger. Ouais. Si vous voulez intervenir, vous le pouvez. Ça vous semble... J'ai une autre question, ouais, des internautes. Allez-y, Justine. Quelqu'un demande, pensez-vous que les formations professionnelles, par exemple les BPJEPS, doivent être revues pour limiter cet écart entre le travail au quotidien dans les entreprises et les idéaux des jeunes en formation? Oui, je veux bien intervenir là-dessus parce que justement, dans le cadre du réseau EQUIM, on fait beaucoup d'études pour essayer de trouver quels sont les axes d'amélioration des exploitations et on se rend compte que pour que la connaissance aille au terrain, c'est pas si évident que ça. Et donc, avec certains de mes collègues, on a créé des outils, notamment sur le coût de production, pour que des outils pour les enseignants, pour qu'ils puissent aborder ces notions-là dans le cadre de leurs cours. Donc, c'est une expérience qu'on a fait en Nouvelle-Aquitaine. C'est très récent puisqu'on l'a fait en début d'année. Et là, en fait, de publications qui étaient visées pour les conseillers et les exploitants, ben, on en a fait des choses, des cas concrets, assez simplifié pour qu'on puisse utiliser des outils pour se rendre compte en fait des notions à avoir conscience pour gérer une entreprise, de connaître les coûts de production de ces animaux, mais d'avoir une vision plus large et notamment sur l'aspect travail, je pense qu'il faut aussi les sensibiliser parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Vanina et puis aussi Christelle, c'est que en fait, on arrive avec une image où on est passionné par le cheval et puis on pense qu'on va, voilà, on va gagner de l'argent et des fois, on n'a pas trop conscience du calibrage de sa structure, des moyens qu'il faut pour réaliser ça. Et je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener dans ce cadre-là pour que les jeunes, ils ouvrent les yeux et qu'ils se rendent compte de comment ça se passe en réalité sur le terrain, quels sont les moyens humains mis en place dans un centre équestre, ben, c'est combien de chevaux, c'est combien de main-d'œuvre, on a combien de chiffres d'affaires dégagés, c'est quoi le niveau des charges, pour pouvoir avoir une vraie notion du coût de l'heure pour tirer un bénéfice. Parce qu'en fait, on a des fois des gens qui arrivent à payer leurs charges, mais qui ne se rémunèrent pas. Et je pense que c'est essentiel pour durer d'avoir un salaire à la fin du mois et aussi de vivre correctement. Ça veut dire que souvent, la passion est trop forte et elle empêche toute objectivité. C'est ça, Christelle, que ça veut dire. Hein. La passion aveugle. Oui, c'est ça, la passion aveugle. Et économiquement, on est prêt à accepter des choses que
dans un autre domaine, si ces gens-là travaillaient dans la voiture ou je ne sais quoi, ils ne le feraient pas, ils n'accepteraient pas tout ça. Ouais. Et pour en revenir aux formations BPGEPS ou Monitora, etc., la situation de formation en apprentissage dans la filière cheval comme dans les autres est un bon moyen justement de confronter la formation à la réalité de l'entreprise, la réalité du travail. Ouais. Tout est toujours un problème aussi de culture, de diplôme, ça. C'est pas singulier. Pas singulier au monde du cheval, là, vous qui avez vu toutes les autres filières du travail, c'est pareil partout. Ce discours-là, il peut s'appliquer partout. Oui, oui, ce décalage de représentation, justement, il est pareil dans l'hôtellerie. Là, il y a une étude qui vient de sortir où tous les jeunes qui rentrent dans l'hôtellerie-restauration pensent hôtel 3 étoiles, de luxe, etc. Et en fait, la partie restauration rapide est très très importante en termes d'emploi. Donc, ils ont le même décalage qu'on peut rencontrer. Ouais. Même dans le monde médical, hein, on peut parfois trouver aussi ce grand décalage. Oui. Et, mesdames, est-ce qu'il n'y va pas de la survie de la filière équine de faire en sorte qu'on puisse parler de bien-être et pas de mal-être dans cette filière? C'est indispensable pour survivre. On ne peut plus vivre avec des gens qui sont malheureux au travail. C'est plus de notre temps. Je dirais qui veut répondre? Plus que jamais, avec la crise sanitaire, il a fallu que le personnel soit là, parce qu'il y a des chevaux à nourrir, et il a fallu se serrer les coudes et se tenir tous ensemble. Et je pense que cette problématique, en fait, peut générer effectivement une vraie remise en question sur le fonctionnement de l'entreprise équestre ou de l'association. Est-ce que vous pourriez, chacune de votre tour, donner un conseil qui soit assez accessible pour que tout ça s'améliore de la part du client, du patron, j'allais dire du club ou de l'écurie et de l'employé? Qu'est-ce qu'on peut faire d'assez facile pour qu'on conclue sur quelque chose de pratique et d'efficace pour qu'à la suite de cette table ronde, les gens se disent tiens, si on essayait de faire ça? Vanina, par exemple. Moi, je pense qu'il faut réfléchir à une organisation du travail commune, c'est-à-dire réfléchir aussi bien, intégrer et reconnaître la gentilité des chevaux dans le travail, donc le fait que ce sont des acteurs du travail, et donc penser à l'organisation du travail avec les chevaux. Je vais prendre un exemple tout bête, mais on utilise beaucoup les chevaux aussi bien pour de l'équithérapie que des cours, et souvent, on peut entendre dire « Ah oui, mais il fait bien la différence parce qu'après la séance d'équithérapie, il se défoule avec le cavalier de cour. » En fait, c'est plus compliqué que ça. Ça veut dire que s'il se défoule, c'est qu'il a besoin de se défouler. Donc, il fallait un temps pour le cheval. Et donc, ça peut avoir une influence sur le cavalier qui peut avoir peur parce que justement, le cheval s'est défoulé, etc. Donc, c'est aussi prendre en compte le cheval et son agentivité dans le travail et réfléchir à tout ça. Ouais. Mais ça veut dire… Réfléchir d'un côté qualité, bien-être du cheval, de l'autre côté bien-être humain, mais bien réfléchir dans une organisation, les deux entités ensemble. Ça veut dire être capable de faire une pause, d'avoir un peu de recul. C'est souvent ça qui manque, hein. Trop d'action empêche la réflexion et c'est un peu ce qu'on a dans ces écuries. Sophie Boyer, pour conclure, quelque chose de très concret pour les gens qui vous écoutent. J'aurais peut-être deux choses. Une première chose, c'est de ne pas avoir peur de prendre le temps, de s'arrêter un moment pour réfléchir et pour faire un point sur son fonctionnement. Et justement, si on a des salariés avec nous, de ne pas hésiter à les impliquer. Et parfois, trouver des solutions ensemble peut être une stratégie. Et d'ailleurs, on a une webconférence sur ce sujet-là que vous pourrez consulter où on a une exploitante qui a mis en place cette stratégie et qui fonctionne très bien. Et je dirais aussi, plus concrètement, c'est qu'on mesure l'enjeu de cette dimension. Et dans le cadre du réseau, on va mettre en place un outil de sensibilisation à ces questions de travail, un autodiagnostic, et on va mettre des solutions de travail à disposition. Alors, bien évidemment, une solution, on ne la prend pas, elle ne se met pas en application si facilement que ça. Je pense que
chaque exploitation a sa problématique travail et il faut qu'elle échange avec un conseiller pour ça, pour trouver la bonne solution par rapport à ces problématiques. Parce qu'on a bien vu, les systèmes sont très différents. Les problèmes que vous allez avoir dans un centre équestre où il y a 60 chevaux, 200 clients quotidiennement, ne seront pas les mêmes que dans un système de traction où la personne va faire du ramassage de déchets avec 4 chevaux, mais va avoir d'autres problématiques de travail. Donc, les solutions, elles peuvent être transversales, mais elles sont bien à appliquer en fonction de ses propres problématiques. Il y a un vrai sentiment de solitude à la fois de l'employeur parfois et de la part de l'employé qui n'ose pas ou qui se sent seul, qui ne peut pas partager cette détresse de ou surcharge de travail ou en plus surcharge de travail et pas de gain, pas d'argent. Ça met les gens dans une solitude, peut-être même dans une forme de honte. Vous avez tout à fait raison. Nous, on l'a vécu sur le coût de production, qui est un autre sujet. Mais en fait, au départ, on a des exploitants qui nous disaient « on n'ose pas venir en formation parce que échanger nos chiffres, on a un peu honte de ne pas avoir un bénéfice sur notre heure d'équitation ». Et en fait, compte, quand ils sont ensemble, ils se rendent compte que tout le monde, en gros, est dans la même galère et qu'on a tout intérêt à partager et échanger les solutions ensemble. Parce qu'on voit que les exploitants, ils les mettent les solutions en place et on a tout intérêt à partager les choses. On est plus fort à tous et ça, j'en suis convaincue. Ouais. Du coup, moi, je me disais là-dessus, en fait, dans la démarche, il faut mettre des mots MOTS sur les mots MAUX. Ouais. Donc ça, je pense que c'est important. Déjà, c'est la première étape dans la un petit peu remise en question, la recherche de solutions. C'est déjà de verbaliser ce qui va et ce qui ne va pas, de le rendre conscient. Pour moi, dans les pistes de solutions, j'en vois trois sortes différentes. Il y a la première chose dont on a un peu parlé avec Vanina aussi, et les espaces de discussion au sein de la structure elle-même, hein, pour échanger sur ce qui m'arrangerait, c'est effectivement, au lieu que la brouette soit aussi basse, si on pouvait la mettre un peu plus haute, ça m'évite de me baisser à chaque fois que je prends ma gamelle pour nourrir. Donc, il y a ces échanges des espaces de discussion. Une deuxième chose, un deuxième levier d'action, c'est l'aspect prévention de la MSA. La MSA est surtout connue parce qu'on finance des cotisations. Il y a tout un rôle de prévention qui est assez méconnu dans la filière équestre. Et donc là, en Hauts-de-France et en Île-de-France également, on a permis des échanges avec soit les entraîneurs de course, soit les représentants des centres équestres. Et la MSA a expliqué tout un tas de solutions qui étaient possibles. Et bien sûr, ça va dépendre de chaque région. En Île-de-France, un numéro de téléphone, un numéro d'accueil est proposé aux professionnels et ils ont tout un tas de dispositifs en fonction des problèmes rencontrés. Ça peut être des problèmes financiers, mais ça peut être aussi des problèmes de santé, psychiques et autres. Et donc, la MSA les met en relation. Alors, ça peut être des consultations, 6 consultations prises en charge gratuitement par la MSA avec un psychologue pour évoquer un certain nombre de difficultés. Ça peut être des problèmes de santé, ça peut être tout un tas de choses. Et la MSA aussi peut organiser ces groupes de travail que Sophie évoquait, groupes d'échange en fait entre professionnels pour chercher des solutions ensemble avec un accompagnement de la MSA sur des financements fléchés, enfin des pistes de financement. Et le troisième axe que je voyais, c'est aussi une amélioration collective qui peut se faire à différents niveaux. Je vais prendre un petit exemple. On a réfléchi là sur notre groupe de travail dans les courses en Hauts-de-France et un certain nombre de choses, et on va mettre en place des actions collectives. Un point, par exemple, qui avait été soulevé par les secrétaires d'écurie de course, c'est une difficulté qu'elles ont et qui leur pose plein de soucis pour retrouver le numéro d'immatriculation d'un cheval pour faire les engagements, par exemple, pour faire toutes leurs démarches. Et donc, en fait, on a interrogé l'IFCE et on s'est aperçu que dans la transmission des fichiers IFCE France Gallo, il y a toutes les données, sauf que ce numéro d'immatriculation n'est pas rendu lisible. Et pourtant, n'importe qui, avec l'application IPIOS, peut taper le nom du cheval et trouver le numéro. Donc, il n'y a rien de secret. Et du coup, on a trouvé une solution pour rendre ce numéro lisible. Et voilà. Et on facilite la vie de tout un tas de personnes qui vont engager des chevaux. C'est juste un tout petit exemple modeste, mais on a d'autres projets comme ça à travailler collectivement, avec ou sans l'IFCE. Hein. Ça peut être
trouver une crèche qui accueille les enfants très tôt dans les courses parce que les horaires sont comme ça et qu'il faut et qu'il y a ce manque-là. Ça peut être faciliter les mobilités d'emploi entre les centres équestres et les écuries de course. Les centres équestres ont besoin des enseignants le mercredi, le week-end, le soir. Ils sont parfois, je dirais, désœuvrés ou pas à temps plein à certains moments de la semaine. Les courses vivent des pénuries de main-d'œuvre. Voilà, il y a peut-être des arrangements collectifs à trouver. Je reviens sur c'est vraiment un problème de communication parce que le fait que vous parliez de ce petit numéro administratif qui ne paraît rien, qui fait perdre beaucoup de temps. Beaucoup d'heures. Là, quand vous parlez de productivité, c'est rien, ça coûte rien. Sauf que dans la productivité, concrètement, les assistantes, elles font autre chose après avoir très rapidement trouvé ça. Moi, je voudrais juste. Une question, s'il vous plaît. Ah, oui. Pardon, Kamel. Non. Beaucoup de réactions sur ce sujet très intéressant. Benoît qui demande, est-ce que les accusations permanentes des mouvements animalistes sont en partie responsables du mal-être des agriculteurs en général et des professionnels des chevaux en particulier? Ah, voilà une question puissante. Vanina, peut-être. Ce qu'il faut voir, c'est que s'il y a critique, il y a de quoi critiquer. Il y a des abus. Après, il ne faut pas tomber dans la tyrannie des minorités. C'est-à-dire qu'on va avoir une minorité de professionnels qui sont à bannir parce qu'ils sont violents avec les chevaux, etc. Mais ça reste une minorité. Et à l'inverse, au niveau du courant animaliste, c'est un courant qui est extrêmement large. Vous avez le courant dit abolitionniste, qui est le plus virulent. Et qui reste quand même une minorité et qui là demande toute fin de relation entre homme et animal puisque l'homme n'est pas capable d'autre chose que de domination. Mais dans l'entre-deux, il y a quand même beaucoup de marge de manœuvre. Il y a des critiques. Il faut répondre aux critiques et non aux porteurs de la critique. C'est-à-dire qu'il faut prendre en charge la critique et arrêter de s'occuper des animalistes. Mais bien résoudre les problèmes qu'il peut y avoir au sein de la filière et qui sont connus par la filière. Mais surtout, je porte un témoignage bien modeste, mais pour avoir animé il y a quelques mois une conférence importante sur le bien-être animal où il y avait les deux extrêmes, j'allais dire. Il y a aussi un point commun souvent dans ces deux extrêmes, c'est le manque de culture, c'est-à-dire que les a priori, les préjugés, de l'intérieur de la filière, il y a des choses à combattre qu'il faut, je pense, le faire de manière assez forte. Donc, il y a une responsabilité de la filière. Et puis, de l'autre côté, il y avait des gens qui, par méconnaissance même de l'animal qu'ils voulaient défendre, l'auraient mis dans une situation de mal-être, alors qu'ils pensaient peut-être lui apporter quelque chose de bien. Mais ça, c'est encore une fois un problème de culture. Mais il faut communiquer, on est bien d'accord. Bah, visiblement, il faut communiquer au travail, il faut communiquer dans la vie. Sophie, vous n'avez pas conclu. Si vous avez conclu. Oui. Ah, si vous avez conclu, donc vous avez été très, très, très bref. Merci beaucoup, en tout cas. Vanina, prenez votre. Vous êtes là pour. Je voudrais juste terminer quand même parce qu'on a parlé de choses lourdes, mais en fait le travail c'est pas que de la souffrance. Le travail peut être aussi émancipateur, c'est-à-dire que on peut trouver du plaisir au travail et c'est bien le but du travail, c'est de réussir, de pouvoir se dépasser, d'avoir de nouvelles capacités, c'est-à-dire que faire des choses qu'on ne pensait pas être capable de faire. C'est ce lien affectif qui est le propre des relations animales. Et puis, travailler, c'est pas seulement produire, c'est du vivre ensemble. Donc, le travail, il est aussi émancipateur, il est aussi collectif. Et donc, on a beaucoup parlé de la souffrance, mais il faut voir aussi que le travail, ça peut être beau et ça peut être riche. Voilà. Vanina, on a vécu un moment très intéressant avec vous toutes. Il n'y avait que des femmes comme invitées. Il y a des hommes aussi qui s'intéressent au bien-être dans le travail, évidemment. Merci beaucoup, mesdames, par virtuel. Merci d'avoir été avec nous. Vanina, je vous rappelle que vous êtes ingénieure de recherche en sociologie à l'IFCE. Christelle Wagner, vous êtes aussi pour l'IFCE. Et Sophie Boyer. Sophie, vous devez rester chez vous parce que je regardais en vous écoutant avec précision, il pleut derrière vous. C'est, je ne sais pas dans quelle région vous êtes. On avait même de la neige. Ah, c'est de la neige, c'est ça? Vous êtes où? Je suis à Pompadour. Et à Pompadour, il neige? Et il neigeait, voilà, on a un petit manteau blanc qui commence à apparaître. On arrête là parce qu'il n'y avait pas de rubrique météo prévue dans la semaine digitale du cheval. Merci beaucoup, Justine. On se revoit tout le reste de la semaine, nous, hein, parce que vous êtes
auprès de nos internautes pour toutes les questions dans ces tables rondes dans la semaine digitale du cheval. Merci mesdames, merci à vous merci. De nous avoir suivis. Vous retrouverez toutes ces conférences en replay sur notre site. Merci beaucoup Christelle, venue juste à mes côtés. À très vite et n'oubliez pas d'aller sur le salon digital, le premier de l'histoire avec 180 exposants. Salut à tous. Merci, au revoir. Bye bye.